Alors bonjour tout le monde, ben, lundi vidéo explicative, excusez-moi, je suis un petit peu envahi, hein, parce qu'en bébé il a vu que je faisais mes essais micro, mais en même temps il y en a une qui s'est pointée. Tu fais voir ta belle petite tête, Bagou? Fais voir comment t'es belle. Ah Bagou? Voilà. Il y en a un qui va faire coucou à tout le monde, en retirant sa goupille. Voilà, donc c'est vachement pratique pour faire le tirage, mais bon, on va faire avec, hein. Je veux dire qu'il la tient son. Alors, avant de faire la vidéo, je voudrais pousser un petit coup de gueule parce que ça commence sérieusement à me gonfler. Je commence un petit peu à en avoir marre des donneurs de leçons, des gens qui viennent. Ouais, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça. Non. Là, il y en a un qui m'a sérieusement pris la tête sur la dernière vidéo que j'ai faite. J'ai donné son nom. De toute façon, je l'ai bloqué, je l'ai viré parce que ça commence sérieusement à me gonfler, quoi. Qui est Théo Farman. Farman. Ceux qui le connaissent, eh ben, ils auront qu'à lui dire que j'en ai un petit peu ras le cul de ces conneries, quoi. Il commence sérieusement à me péter les couilles. J'ai 54 ans. J'ai pas lieu de recevoir des leçons de Pierre-Paul Jacques. Chacun vit sa vie comme il l'entend, chacun fait ce qu'il veut. Point barre. Si lui, il a envie de se balader à poil chez lui, c'est son problème, c'est pas le mien. Je vais pas lui dire que c'est un scandale qu'il se balade à poil. Ça, c'est fait. Voilà. Par contre, oui. Par rapport à mes prédictions, j'ai su qu'il va y avoir des grèves, des manifestations. Normalement, les routiers qui vont bloquer les routes à partir de demain, si mes souvenirs sont exacts, ou après-demain, enfin je sais que c'est. On est le combien aujourd'hui? Le 24, 25? On est le 25, je crois que c'est à partir. Non, on est le 24. Je crois que c'est à partir du 25 où ils vont bloquer les routes. Ils sont là, les cartes bébés. Donc voilà, quand je parlais de manifestation, etc., vous voyez, ça commence à se mettre en route. Quand je disais que l'État allait bien nous la mettre profond, il faut savoir que l'augmentation du gasoil, enfin de l'essence, de 7 centimes, qui est prévue au mois de janvier, il y a déjà une augmentation le 1er octobre de 3%. Donc voilà. Ça va nous coûter bonbon au point de vue des déplacements. Je plains les gens qui font 30 ou 40 bornes pour aller bosser en voiture. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'à la télévision, on entend parler de. Ils nous disent oui, c'est à cause de l'augmentation du baril de pétrole. Et chose étonnante, on entend aussi les politiques dire non, mais c'est pour vous inciter à prendre les transports en commun. Au lieu de prendre la voiture, essayez de prendre les transports en commun. Ça, en général, c'est pour les grandes villes, style Paris, etc. À inciter les gens à prendre les bus, etc. Mais bon, voilà. Ceux qui sont à la campagne, ceux qui vivent en milieu rural, ils ont obligatoirement besoin de leur voiture. Donc je me demande comment ils vont faire. Ça, c'est pas le voyant qui parle. C'est non, ça c'est les tiennes, bébé. Laisse tes cartes de ton côté, s'il te plaît. Tu laisses les cartes à papa pour l'instant. Laisse les cartes à papa pour l'instant. Après, d'accord. On va les faire, mais tu attends. Bon, alors. Soit tu restes avec papa, soit tu descends. Bon, on va faire le tirage. Je bouge la webcam. Voilà. Allez, on mélange. Alors, je l'explique et je le répète, hein. Bernard n'a aucune influence sur les cartes. Tu laisses les cartes comme ça, on mélange. Je vous. Deuxièmement, parce que la personne en question, le Théo de Pharma, ouais, tu devrais pas mettre ton fils en avant, patati patala. Les pauvres cons, excusez-moi du terme, je vais être vulgaire, mais voilà, c'est lui qui vient. Dès qu'il me voit avec les cartes en main, dès qu'il me voit préparer la vidéo, il vient. C'est plus fort que lui. Voilà. Donc ça, c'est fait. Hop.
Alors, on va commencer. Alors, Anne-Marie, Stéphane, Monique, Nemo m'ont donné le 22. Donc la 22, c'est celle-là. Hop. Nous avons le char en droit. Christian et Corinne m'ont donné le 18. Non, range tes cartes. 18. La tempérance en vert. Ah, ma carte. La webcam qui a bougé. Hop. C'est pas grave. Delphine m'a donné la 19. 19. L'ermite en droit. Béatrice, Stéphanie, Françoise m'ont donné le 9. Le pendu en droit. Christophe, Marie-Jo, Violette m'ont donné le 11. Le monde en droit. Vincent, Lynn, Pascal, Osner m'ont donné le 17. Le jugement en vert. Josette et Marc m'ont donné le 15. La lune en vert. Arnaud et Annette m'ont donné le 13. Le fou en droit. Et Violette m'a donné le 19. Les amants en droit. Alors, qu'est-ce que j'en conclus? Moi, par rapport à mes cartes, par rapport à mes ressentis, bah, j'en conclus que on est sur une phase de changement. Y en a un qui se retrouve, on va dire, seul. Par rapport à la situation, il va y avoir encore, on va apprendre qu'il va y avoir encore des ministres qui vont démissionner. D'ailleurs, la preuve, il y en a déjà eu trois qui ont démissionné. Il y a Colomb, normalement, qui doit partir après les européennes. Ça, les européennes, je ferai une voyance en temps et en heure hein, là-dessus. Je vous rassure. Moi, je vois que Macron se retrouve de plus en plus seul par rapport à la situation. Et là, je ressens quand même quelque part de la colère des gens. Ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol, les gens. Excusez-moi. Hein. Et moi j'ai toujours son départ. Soit destitution. Je dirais plus une destitution parce que là. Rix. Le Sénat, entre nous, commence à en avoir un peu marre de l'histoire de Benalla parce que tout le monde raconte des conneries. Tout le monde ment. Alors on essaie de défendre son steak, comme dirait l'autre. Mais à mon avis, cette histoire va, est en train de faire du mal à Monsieur Macron. Hein.
Bon, en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, notre cher monsieur Macron veut refaire faire une salle des fêtes de l'Élysée qui va nous coûter la bagatelle de 500 000 euros. À nos frais, bien entendu. Non, Bernard. Bébé, ça suffit, arrête. Le problème, c'est que si on calcule entre la vaisselle, la nouvelle vaisselle de l'Élysée qui a coûté 500 000 euros, là, la salle des fêtes qui va être rénovée entièrement, 500 000 euros, on en est déjà pour 1 million d'euros. La piscine, 34 000 euros, on en est à 1 034 000 euros. Sans compter tout ce qu'ils ont commandé pour l'histoire du patrimoine, là, jeu du patrimoine, où ils ont commandé des mugs, etc., porcelaine de Limoges qui a été fabriquée à Hong Kong. Et ça vous revend ça à 25. J'aurais bien aimé avoir la facture du montant que ça a coûté, vous voyez. À mon avis, ça va faire du vilain. Ça ne va pas être beau. Et à mon avis, ils vont pas en vendre beaucoup, hein. À 25 euros le mec pour avoir l'effigie de Monsieur Macron, tu ne touches pas aux cartes. Bon, bébé, arrête! Assieds-toi! Excusez-moi, entre le chat et le bébé, c'est folklorique. Ah, hop là. Ah, viens ici, celle-là. Donc voilà, moi il y a un changement qui est en train de se passer. Il va y avoir des manifestations à cause des augmentations d'essence, à cause de la précarité, parce que les gens sont de plus en plus précaires. Je vais vous dire entre nous, hein. Mais ça reste entre nous, hein. J'ai écrit à Macron. Et je peux vous dire que je ne l'ai pas loupé, quoi. Je lui ai écrit qu'avant de taper sur avant de taper sur les chômeurs, faut d'abord taper via le Pôle emploi pour qu'ils remettent les pendules à l'heure. Parce que c'est des comiques au Pôle emploi. Je parlerai, je ferai une vidéo sur mon YouTube personnel. T'en as à ton bureau. Et bah pique-toi ta petite colère, c'est pas grave. J'ai avant de taper sur les chômeurs, taper déjà sur le Pôle emploi, qu'ils fassent correctement leur travail. Mais bon, après j'ai parlé d'autre chose, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, ça, on arrive à une situation où bah, ça va être chaud, quoi. Comme j'ai dit, hein, ça va finir par taper. Voilà. Ça, c'est pour la semaine, hein. Alors, au niveau de l'homme politique aujourd'hui. Alors, ma petite femme a. C'est ma petite femme qui choisit. Elle a fait la liste et puis bah, au fur et à mesure, elle me dit qui prendre. Et puis elle le raye au fur et à mesure. Ah ouais, à la maison, tout le monde participe. Va sur ton bureau, bébé, si tu veux dessiner. Donc aujourd'hui, on va faire Florian Philippot. Je vais prendre sa photo, comme ça je vais pouvoir me concentrer sur sa photo et en même temps sur les cartes. Non, ça c'est qui, comment on dit? Ah, je l'ai. Prendre sa photo, ce sera plus pratique. Voilà. Ça sera plus simple. Et on va mélanger. On mélange bien. Alors,
Blanchette, Frédéric, Cindy m'ont donné le 3. Les étoiles. Nicole, Tracker m'ont donné le 10. 10. Le soleil. Laetitia et Josette m'ont donné le 5. La lune, endroit. Guillaume, Christiane m'ont donné le 8. 8. Le diable, envers. Art, Kevin et Marie-Thérèse m'ont donné le 20. La papesse. Nicole le 2. Le butler. Endroit. Simone, Olivier, Marino m'ont donné le 1. Le pendu en vert. Jérémy m'a donné le 14. 14. La mort en droit. Et Marilyn et Nicole m'ont donné le 4. La force en vert. Alors je remercie aussi hein, avant de. Parce que j'aime bien citer tout le monde, ceux qui ont mis les chiffres, hein, vous étiez 55. Donc je remercie Sylvie, Nicole, Nikki, Véronique, Sam, Timel, Eliane, Billy et JP. J'avais assez de chiffres, donc j'ai pas pu prendre les vôtres. Je suis désolé. Mais je vous remercie d'avoir mis des chiffres. Donc, qu'est-ce que je conclus par rapport à Filippo, par rapport à sa photo? Pour moi, Filippo, c'est quelqu'un qui est opportuniste. C'est quelqu'un qui essaye de. Qui a une certaine prestance, mais qui, voilà, pour lui, comment je pourrais dire? C'est un opportuniste et en même temps. Il pense avoir, on va dire, la science infuse. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui, voilà, qui c'est, il n'y a que moi qui dis la vérité, il n'y a que moi qui dis ceci, il y a moi qui dis que cela. Bon, en même temps, ça reste entre nous. Là, c'est ma version par rapport à lui. Il a quand même un petit peu chié dans la colle à Marine Le Pen. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est ma façon de penser. Voilà, donc c'est quelqu'un qui essaye de. C'est quand même un bosseur. On peut pas lui reprocher, c'est un bosseur. Il essaye vraiment de faire avancer les choses, mais j'ai ce sentiment que lui, voilà, c'est j'ai mes propres idées et c'est mes idées qui sont bonnes. Les autres idées des gens, c'est de la merde. Un petit peu, voilà, pas royaliste, mais presque, quoi. Mais c'est vrai que il a de bonnes idées. Qu'il a été pioché un peu à droite à gauche d'ailleurs. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, ça c'est Filippo, c'est ça. C'est son cheval de bataille. Non. Et bah pleure. Donc voilà, c'est Monsieur Philippot dans toute sa splendeur. Alors je rappelle aussi que bah, le site est ouvert de le cet après-midi qu'on est ouvert. On est ouvert à partir. J'ai jamais les horaires en tête, mais c'est fou. On est ouvert à partir de 14h jusqu'à 23h, voire minuit. Aujourd'hui et jeudi, pareil, 14h, 23h, voire minuit.
Et demain matin, on est ouvert de 9h à midi et après, tous les soirs jusqu'à vendredi, de 20h jusqu'à minuit. En général, 23h. Donc voilà, ça c'est les horaires d'ouverture. Je vous rappelle que vous pouvez venir sur le site sans vous inscrire. Vous avez les images en vidéo, comment s'inscrire ou nous venir en invité. Je l'explique dans la vidéo. N'hésitez pas. Vous verrez que vous n'allez pas être obligé de sortir la carte bleue avec moi. C'est vous qui décidez le jour où vous avez besoin de voyance. Et je ne force personne à avoir de la voyance. Ça, c'est notre politique. En plus, on parle de tout, de rien. Des fois, on rigole bien. Voilà. Et encore une chose, ben, les donneurs de leçons, hein, gardez vos leçons pour vous. Comme on dit, avant de balayer devant la porte des voisins, on commence déjà à balayer par la sienne. Ça serait déjà pas mal. Désolé pour monsieur qui est désagréable aujourd'hui. Il fait que le couillon depuis quelques jours. Voilà. Et il continue. Il veut s'asseoir sur son chat. Bah pourquoi pas. Et bah je vous dis peut-être à cet après-midi, 14h.